C'est quoi être un juif? Vous savez très bien que chez les juifs, quand on lui pose une question, il répond par une autre question. Alors, moi j'ai trois réponses à cette question. La première c'est quand viendra le Messie? La deuxième question qu'un juif comme moi se pose, c'est est-ce qu'il y aura des antisémites dans l'autre monde aussi? Ça, c'est très important pour moi, pour après. Ça, tout le monde peut le comprendre. Et la troisième question, qu'est-ce que c'est que d'être juif? Donc, finalement, tu ne me donnes aucune réponse. J'aimerais pouvoir donner une réponse claire et précise à ce problème, mais vous avez devant vous, madame, un jeune homme qui a déjà vécu 7 ou 8 vies différentes. Et dans chacune de ces 7 et 8 vies différentes, il était un autre homme. Par exemple, celui que vous voyez là aujourd'hui, c'est un grand-père qui adore ses petits-enfants. Il y a eu aussi celui qui était un enfant caché pendant la guerre, mais celui-là, quand on lui posait la question, il faisait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui demandait. Ensuite, il y a eu le jeune homme qui a vécu en Amérique, où ils étaient insensibles à notre problème. Et ensuite, il y a eu le jeune homme plus âgé qui vivait à Montparnasse, qui avait oublié qu'est-ce que c'était d'être juif. Peut-être qu'il le savait à cette époque-là, mais apparemment, il l'avait oublié. Maintenant, ce jeune homme avec l'âge, c'est vrai que c'est une des questions fondamentales qui se posent, mais il vous renvoie à cette question. Qu'est-ce que c'est pour Ben Zimet d'être juif? Répondez-moi, je ne sais pas.